Bonjour à tous, c'est Jean. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Star Wars Outlaws. Et on arrive sur Tatooine directement pour aller à la recherche de la mercenaire Hoss. Enfin, qui se nomme Hoss plutôt. On va voir s'il en retourne. J'avais hâte. Rien de très légendaire. Ah, j'imagine que c'était prémédité. Possible. Tu te méfies des contacts de Jaylen? Je me méfie de tout le monde. Oh, même de moi? Je comprends. A plus, MD5. Compris. Allez, on va aller parler directement au shérif. On prend quoi? On prend le speeder, ouais, tiens. Monte! Monte, j'ai dit. Voilà. Je sais pas si on en aura besoin, mais. On est près de l'endroit où Hoss s'est fait arrêter. On devrait pouvoir trouver le shérif et lui proposer un marché. C'est le désert, mais. C'est classe. Il est où le shérif? Normal que la ville soit aussi vide? Je ne sais pas. Reste sur tes gardes. C'est une ville déserte pour un désert. Terre perdue. Qui me parle? Salut, je cherche un certain Hoss. T'es avec les Hutt? Je suis avec moi. Alors t'as mal choisi ton moment. On m'a dit que t'arrivais. Quint, Sada Chuba, Titinka, Obapomakuna, Kionakas Eldakin. Ça, c'était avant. Et maintenant, c'est Sheriff, Quint. Sheriff? Joy Wata. Gigi Sashut Wata Sheriff. Eh ben, on est deux, alors. Et t'as quelques jours de retard. Il est parti. À court. Obagraba Mulira en Isobas? Non, il s'en prenait à mon village. Je l'ai arrêté et mis en prison. Mais il s'est échappé et il a disparu. Après ça, j'ai arrêté de me soucier de lui. Aba Oba Venta Noatinka, Kavastuf Pono Nolia, Tatooine, Bataji Sanopata Kunapata, Tajaba, Amtekapa. Je ne te laisserai pas dépouiller ces braves gens. Super. Du bon travail d'équipe. C'est pas fini. Les Huts, c'est comme la vermine. On n'en voit jamais le bout. Voilà. Voilà, c'est tout. Ça arrive souvent, ce genre de choses? Les Hutt saisissent le moindre prétexte pour s'en prendre à nous. Bah, heureusement que vous êtes là, alors. Je fais ce que je peux. Heureusement que je lui ai pas dit que j'avais choisi ce clan, on va dire, au départ. Je me serais fait zigouiller, direct. Jeu fini. Alors, toi aussi
Tu veux la tête de Hoss, chasseuse de primes? Je m'appelle Kay, et je veux juste lui parler. C'est bien la dernière chose que je voudrais faire avec ce type, mais j'apprécie ton aide. Assez pour me donner un petit renseignement, shérif? Je vais te dire la même chose qu'aux autres chasseurs de primes. Hoss rançonnait notre petit coin de paradis, alors je l'ai chopé dans une ferme d'humidité désaffectée. Il se tairait là depuis un moment. Je commencerai par là. Ne traîne pas. Jabba a mis une sacrée prime sur la tête de ce rat. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, quand je vais le ou la retrouver... MD5, oh, c'est enfui. La shérif m'a conseillé de chercher dans une ferme d'humidité. Je vérifie. Oui, il y en a une dans les environs. Je t'envoie les coordonnées. Hmm. C'est vrai que ce gars s'est fait un paquet d'ennemis. Une condition inévitable dans ce métier. Donc comme je disais, à mon avis, quand je vais le retrouver, ou le ou la retrouver... je pense qu'à mon avis, il y a Jabba qui va me tomber sur le coin du nez et ça va moins rigoler. Je crois que j'y suis. C'est quoi cet endroit ou juste? Une installation indispensable à la survie. Pour obtenir de l'eau, il faut l'extraire de l'atmosphère. Oh. C'est quoi ça? Ah oui, c'est bien des ennemis. Vite, vite, vite. Parce qu'à mon avis, Nyx, il va pas pouvoir m'aider. Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai été un petit peu vénère. Je leur ai tiré dessus comme un... comme un saltimbanque là, j'aurais pas eu besoin. Allez, on descend. Hoss, t'es là? Je veux juste discuter. Garde ça ouvert. On les a semés. Dépêche-toi. Oh. Garde ça ouvert. Donc je suppose que c'est par là. Là, c'est fermé. Bah en fait, comme par hasard, il n'y avait rien. Tu sens quelque chose, Nixon? Ah bah si, il y avait, voilà. Ici et ici. Donc on est sur le tu bon chemin. Oh! T'es sérieux là? Mais lui il passe à travers la porte. Merci Ubisoft. Donc on a du courant, très bien. Oh, une sorte de... d'écureuil. Enfin, je sais pas. Ouais, par là. Oui, ouais. Par là, très bien. Va me chercher ce truc. On fouille les trucs quand même un petit peu parce que... il faut que je regagne un peu en crédit. Oh là. Hé, ND. Oh, ce n'est pas là. Il y a juste un chasseur de primes tout mort avec un transpondeur. Si le transpondeur fonctionne, il pourra traquer Hoss. Du calme, je veux du mal à personne, moi. Je cherche quelqu'un, c'est tout.
Ok, d'accord. Désolé, mais je comprends pas. Pardon ? Oh, Rack pense que c'est moi que tu cherches. C'est pour ça que t'as pu passer. Si ton nom est Oz, c'est bien toi que je cherche, ouais. Jelaine Vrax t'a recommandé pour un boulot, mais t'as l'air occupée. Non, non, non ! Si c'est Jelaine, j'accepte. Je suis le meilleur qui soit. D'accord, ok. Des bandits ont volé la paire de dragon crête de cet Esken. Ils pensent que je fais un bon otage, mais pas vraiment, puisque je me suis fait virer. Alors récupère cette perle et je serai dispo pour ton boulot. Ça te va? Elle est où, cette perle? Dans une grotte, avec un tas d'os de banta, juste devant. Elle grouille de ses pourritures. Le meilleur qui soit, hein? Tu peux me croire, partenaire. Allez, on se parle par comlink. Allez, attends. On va faire un truc. Ouais, un petit peu scanner le monde là parce que. Il y aura le bol de se faire attaquer pour. Ah, tiens, déjà. On va bientôt avoir des problèmes. Tiens. Déjà, ça. Voilà. Déjà. Hop. Diversion. Bon, diversion, pas terrible. Eh oh. Ah, je suis chaud. Attention, ils vont pas rigoler. On est payé pour ça, bah oui. Ah, allez hop. Balance des explosifs, balance des grenades. Allez, bah. Allez, on y va. On se soigne. On se re-soigne. Oh là là. Tiens. Hop. On prend. Il y a du monde, hein. Tiens. Il l'a pris en pleine bouche. Tu me fais pas peur. Ils ont même pas vu que j'étais descendu. Allez, on perd pas de temps. Parce que ça, c'est. C'est toujours dans mes habitudes. Choper des trucs à droite à gauche, perdre du temps, etc. Et voilà. Allez. Une perle de dragon crête. Allez, on prend tout ce qu'il y a là vite fait. Voilà, on part. Ross, dis à tes copains que je l'ai, leur perle. Avec plaisir. On t'attendra près de la grotte. Il devrait y avoir une autre sortie. Nyx, attaque. Voilà. Ils nous poursuivent. Il est où? Ah, je l'avais pas vu, il se confondait avec le. Il dit qu'il y a une autre sortie. Donc on va passer par là. Hein. Survécu.
Jaylen a toujours su bien s'entourer. Voilà. C'est bon maintenant? Elle dit que je peux partir, à condition que tu règles mon ardoise. Ton ardoise? Ouais, à la cantina. Dis-lui que je vais me passer de toi, finalement. Ça valait le coup d'essayer. Retrouve-moi à Moses Lee, à la baie d'amarrage numéro 94, et on s'arrachera de ce trou. Et tu veux pas savoir pourquoi je te recrute? Si tu payes, j'en suis. C'est tout. À plus tard, gamine. Et voici la quête, le gros bras, terminé. Zone d'atterrissage d'amarrage, baie d'amarrage 94. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder vite fait. Est-ce qu'on a encore un truc à faire? Ouais, on y va tout de suite. D'ailleurs, c'est étonnant que la mission ne soit pas apparue directement. Les probabilités pour qu'une personne comme toi s'infiltre dans la chambre forte de Siro sont de 10 807 contre 1. Pourquoi veux-tu faire ça? Ah bah, d'après toi, personne n'allait nous rendre la vie facile, Amix et moi. Faut savoir prendre ce qu'on veut. Et c'est quoi ce que tu veux? Ne pas terminer comme Os. Écoute, t'es bien au courant. La galaxie la mauvaise contre les gens comme nous. La seule manière de survivre, c'est d'être capable de risquer tout ce qu'on a. Donc tu vas fuir toute ta vie? Non. J'en sais rien. Mais ça reste mieux que de mourir sur place, non? Je suppose. Je l'aime bien, moi, ce ND5. Du sabac, Os, on a du travail. C'est qui le loser maintenant? Je l'ai pas. Cette espèce de rawant? Non! Non, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Mix! Surtout, tu touches à rien. C'est ultra sécurisé. Tu observes et tu apprends. Les riches paient une fortune pour adopter des animaux exotiques. Ou les manger. Hé, hey, petit monstre. Tu vas où, toi? Mais de rien. Allez, file. T'es libre. On y est presque. J'aimerais pirater comme toi. Si tu te concentrais, tu... Qu'est-ce qui se passe? Sorcita! Attends! Mais, et toi? Tu veux nous faire tuer? Pas! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu as laissé tes sentiments compromettre l'opération. T'as rien appris ou quoi? Regarde-moi! Lui, je le garde. Ah, elle est fou! Bon,
gigantesque, on fiche le camp d'ici. Hein? Où est-ce qu'il est? Tout ce bordel pour une stupide bestiole? Ok. À mon avis, ils vont le vendre à Jabba. Mais t'entrages! J'arrive, Nix. Je savais bien qu'on... Dis-moi où est le palais de Jabba. Vite. D'accord. J'envoie les coordonnées. Oz, tu l'as retrouvé? Oublie-le. Il a perdu Nix. Je vais le chercher. C'est Jabba le Hutt. Ouais. Tu ne connais pas Jabba. Je m'en fous. J'ai eu affaire à lui par le passé. Il est extrêmement dangereux, Kay. Je m'en fous, j'ai dit. Nix, c'est ma famille. Tu peux pas comprendre. Je vois. Eh oui, hein, Jabba... Le palais possède une entrée dérobée près de Moses Lee. Ça te laissera une chance, au moins. Mais Kay... Oh, c'est risqué. Oui, j'ai compris. Tout juste. Ci disse Giampanpa. Poto faiamo bola dopo, guardo. Ci sun subebo. Akuto. Quoi? Ah oui, je pensais que je pouvais rentrer tranquille, moi. Bon, lui, il est un peu suspect, mais il m'a pas vu. Ah oui, hein, il faut que j'aille récupérer Nix, hein, il n'y a pas moyen. On va le laisser s'approcher tranquillement. Allez, hop. Bon, apparemment, c'est pas si tranquille que ça. T'aurais dû t'engager dans l'Empire. Ah oui, c'est ça les petits trucs que je disais tout à l'heure. C'est marrant. Vivement la paye. Ah, vivement la paye, bah oui. Comme disait Coluche, c'est les 30 jours. Les 30 jours de mois les plus difficiles. Enfin, un truc dans ce délire-là. Grenade, il n'y a pas le temps. Hop, on récupère tout ça. Ah, allez, hop, bout portant. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe. Ah, tiens, on va se soigner un petit peu. Allez, c'est pas de quartier. Voilà. Pas de quartier, allez. Ah non, c'est pas fini. Allez hop, t'as rien vu venir. C'est vrai que l'IA des ennemis, elle est vraiment pas terrible. Mais bon. C'est pas grave. Ressortirai. Kay, ne sous-estime pas les hommes.
Bah oui, mais t'inquiète, ça va aller. Oh, surtout pas déclencher d'alarme. J'arrive, Nixie. Ah oui, puis en plus là, avec vu que j'ai plus Nix, je ne peux plus scanner le périmètre. Allez. Par là, je suppose. Bah non, je ne sais pas. En haut ou en bas? Dans la logique. Oh, c'était quoi? T'as nécessite aiguillon? On va descendre. J'y arriverai pas sans toi, Nix. En espérant que ça soit pas en haut. Ah, on va lire un petit peu vite fait. N'oubliez pas qu'il est interdit de déranger les moines Biomar. Ils sont placés sur la protection du noble Jabba. Que le sort de Kreka soit une leçon pour tous. Il est des destins bien pires que la mort. Bib Fortuna. Ok. Bon, on récupère ça vite fait. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Là, il y a une trappe. Allez. Bon, eux, je peux pas les tuer parce qu'ils sont trop forts. Oui, on a vu un petit icône rouge comme ça là. Il y a eu un petit icône qui fait que je ne peux pas les. On va dire les intercepter. On va descendre. Comment c'est possible un endroit aussi grand? Football du premier coup, enfin du premier coup non, mais ben voilà. Nix, tout va bien? Je suis là. Je sais, ça arrivera plus jamais. Promis, Nix. Allez, viens, on s'en va. ND5, je l'ai trouvé. Est-il blessé? Non. Je crois pas. Attends, tu t'inquiétais pour lui? Sors de cet endroit, discrètement. Si tu te fais repérer, personne ne pourra te sauver. Ouais, compris. J'ai toute une équipe postée autour de... Ok, on va zapper cette partie. Ubakatinkabe. Tu wangati toki zerekbesh samagachisa. Alors, c'est bon? On efface ma prime? Nobata wanga mocha tutaje. Vous savez, c'est amusant. C'est ce que j'allais dire. On avait un accord, elle et à moi.
Rebote-moi. On peut se le faire. Tu l'as mérité, pas vrai? Bouge-toi! Neutralise-les! Lui alors? Oui, Vess! On s'enfuit! Vous allez le regretter! Allez hop, voilà. C'est fait. Tu me laisseras partir quand on se sera échappé? On va aller au hangar. Mon vaisseau est là. Je prends ça pour un an. Comment tu fais pour connaître aussi bien cet endroit? Les syndicats raisonnent pareil. On a vu un palais des crimes, tu les as tous vus. Ah ouais? Bon à savoir. Ah, c'était quoi ça? J'ai ma petite idée. Et si c'est la bonne, faut pas rester ici. Lipuna! Eh ben on se sort pas trop mal. Enfin pour le moment. Allez, on se dépêche. Même si je pense que il va y avoir d'autres. D'autres ennemis. On s'est bien amusé, mais tu sais... Non. C'est pas encore terminé. Oui. Eh non. Allez. Non. Presque. Allez, plus vite. Merci. Les blasters peuvent rien contre ces bombes. Il faut le frapper avec du plus grand calibre. Les capsules de combustible au-dessus. Ça peut marcher. Oui, ok. Attire le rancor pour qu'il charge la porte. Du loup, le rancor. J'ai pas tout compris. Ah, la porte du hangar. D'accord. En fait, il faut que je l'attire ici. Allez, on va se mettre là. Vous n'êtes rien.
La porte du hangar, c'est laquelle? Donc c'est celle-ci. Ok. Ouais, ok. Bien joué, Kay. Ça te dirait? Tu es un peu occupé là. Rail, les rails sont bloqués. Tu peux les faire marcher? Je peux pirater les commandes, mais je parle pas très bien le E-Tis. Occupe cette chose pour l'instant. Oh, bah ouais, facile. Ça devrait être bon. Comment ça, Paul? Il y a plein de méchants qui rappliquent. Soyez une piscine, ça pourrait être. Vas-y, charge. Ah ouais, tu veux pas charger. Voilà, je l'ai piraté. Enfin, un genre de condensateur. Enfin, je crois. Il y a un levier qui devrait relancer le système. On y est presque. Vas-y, Nyx. Voilà. J'ai réussi. Enfin, j'ai un peu... galéré. On va bientôt céder. Ok, on se prépare à bouger. Oh non. Attirer le rencor pour qu'il charge la porte. Ah oui. Donc, il y a aussi des barils là-haut. Voilà, je vais me mettre là. Je vais pas m'embêter. Allez, vas-y, charge. Allez, vas-y. Encore malade. Jabba, c'est un malentendu. Nous sommes désolés de vous avoir offensé et implorons votre pardon. Question rémunération. Marché conclu. Le complexe de Bestin est sous le contrôle impérial. C'est quoi le rapport entre Zerek Besh et l'Empire? Dites, je peux gérer ça toute seule. J'ai pas besoin d'elle. Bota uba nitsu no liya mapit. Tungana uba bola marankor. Vincha tuba miki. Ache. Et ben écoutez, on va s'arrêter là après cette rencontre avec Jabba. En plus, on a récupéré un peu de réputation. On va juste se soigner. En plus, il me restait juste une fiole de soins.
Tiens, on va faire une petite photo. Jabba sourit un peu. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo du jour avec Jabba. J'espère que ça vous aura bien plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.